Les Antilles où l'on prépare Noël activement mais avec moins d'attachement à la tradition qu'auparavant, c'est du moins ce que pensent 3 habitants sur 4 localement. Du coup, pour relancer le goût des coutumes et des saveurs des îles, des scolaires ont été initiés le temps d'une journée aux préparatifs du réveillon local. Ces cuistots d'un jour apprennent à préparer un repas de Noël. Pas n'importe lequel, dans la plus pure tradition martiniquaise. C'est l'un des ateliers du Noël en temps longtemps, organisé par le Parc naturel régional de la Martinique pour 6 classes de l'île. Mais ces élèves de cours moyens 1 et 2 connaissent-ils seulement la composition du repas traditionnel? Il nous faut du cochon, du pâté. Jambon, pâté salé, ragoût de porc, igname et pois d'Angol sont préparés tour à tour. À coup sûr, les papilles aideront la mémoire à s'en souvenir. Prochaine étape, atelier musique et chant de Noël. Ici, seuls tambour, tibois et chacha ont droit de citer. Cette journée autour des goûts de la tradition fait partie d'un projet pédagogique annuel. Les sciences de la vie et de la terre et l'éducation à la citoyenneté sont également abordées. Pour le parc naturel régional, cette action s'insère dans sa mission d'éducation à l'environnement et connaissance du patrimoine. Ils auront à partir à conquérir le monde, mais doivent posséder ce qui nous appartient. Donc la Noël, c'est une occasion pour transmettre ce que nous ont laissé les parents. Une autre grande journée autour de la tradition les attend, sur le thème de Pâques.